Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 2 août 2017, je vais faire une vidéo sur mon téléphone à nouveau. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris. Dans ma précédente vidéo, on m'a demandé si Android était Linux. C'était du Linux. Et j'ai dit Android égale Linux. Alors, Android égale Linux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système Android utilise un noyau Linux. Linux, c'est quoi? C'est le noyau, c'est pas une distribution Linux. J'ai pas parlé de distribution Linux, j'ai parlé d'un noyau Linux. Regardez, si on va dans paramètres et qu'on va tout en bas dans à propos de l'appareil ici, donc on voit certaines infos, on voit surtout que ma version d'Android c'est 5.1.1. Bon voilà, on a la version 7, mais mon constructeur ne me donne pas la dernière version d'Android. Au pire, je m'en fous, ça marche. Et ce qui nous intéresse, vous voyez, version kernel ici, 3.14.27. Donc c'est bel et bien un noyau Linux. C'est un noyau Linux. Aussi, j'en profite pour vous dire que si on va dans le terminal émulateur, qui est un émulateur de terminal, si je fais CD, la commande CD, elle va là, voilà, je vais dans mon dossier Home. LS, je peux lister ce qu'il y a dedans. Touch, Toto. Attendez, je n'ai pas mis l'espace. Touch, Toto. TXT, voilà, la commande existe. LS, alors là c'est pas pratique, tiret LS tiret L, voilà, vous voyez, on a un LS, le fichier il est créé le 2 août à 17h49, vous voyez, les permissions c'est des permissions Unix, donc on retrouve la même sortie de LS. SE status, tout à l'heure j'ai vu que on avait SE Linux, bon d'accord, donc on n'a pas les commandes SE status. Bon, on n'a pas les commandes pour SE Linux, mais j'ai vu tout à l'heure que SE Linux, enfin, on était en politique enforcing, alors c'est peut-être un SE Linux adapté, mais vous voyez, si je fais un mkdir avec une majuscule, il me dit bien que la commande est not found. Mkdir, on est sensible à la casse. Le shell echo dollar path, hein, pour path, le chemin, ici. Bon, on voit que dans le path, on a quoi? On a slash system slash bin et slash system slash xbin. Donc, on a bien un path, on a un shell, on a tout ce qu'il faut qui correspond à Linux. C'est pour ça que c'est une base Linux. Les commandes de base, cd, mkdir, machin, la busybox, si on peut dire ça comme ça, ça marche dans le terminal. Donc, c'est pour ça que je dis Android égale Linux, puisqu'on a une base Linux, on a un système Linux, même s'il a été modifié. Après tout, on sait très bien que même Ubuntu, c'est un Linux, mais qui est modifié. Le noyau, il est patché. Et bien là, c'est pareil, il est patché, il est arrangé sous Google, mais Linux est un noyau, c'est un logiciel libre. Donc, les sources sont disponibles. Si vous voulez modifier le noyau pour l'adapter à votre matériel, à votre périphérique, à votre scie, à votre sauce, à ce que vous voulez, vous pouvez. Voilà, c'est tout. C'est juste que Android est un système qui s'appuie sur un noyau Linux. C'est pour ça que je dis Android égale Linux, car Android égale un noyau Linux. Voilà, modifié certes, mais c'est un noyau Linux. J'ai jamais parlé de Linux, de distribution Linux. Hein. J'ai bien parlé de Linux, le noyau. Après, c'est un abus de langage de dire que Linux égale distribution Linux. Ben non, Linux n'est pas une distribution Linux. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour redire, recorriger, réexpliquer ce que j'ai dit. Parce que j'ai l'impression que, bah, tout simplement, que ça sert à rien, cette vidéo que je suis en train de faire. Mais je vais quand même la mettre en ligne. Parce que, voilà, je veux que vous compreniez ce que je voulais dire par Linux, Android égale Linux. C'est un noyau, voilà. C'est un noyau, il est utilisé, il est là, il est beau, il est 3.14, là, voilà. Hein, 3.14.27, voilà, c'est le noyau Linux. Voilà, c'est un kernel Linux. Voilà, c'est tout. On va pas aller plus loin dans la vidéo. J'ai montré, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, j'espère que c'est plus clair pour vous. Et moi, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dans 2 heures, hein, puisque c'est le live. C'est quoi qu'il dit, épisode 4 avec Manjaro Linux à l'honneur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.